ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده وليه ورسوله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني فقه قولي. شيخ سيغ السلام عليكم ورحمه الله. <applause> Pour traiter le, le thème qui, euh, qui nous a été proposé pour cette rencontre, je vous propose d'avoir comme support de réflexion un conte que l'on retrouve dans l'œuvre de Jalal Din Rumi, très peu connu, c'est un conte qui est très peu connu, euh, où il est dit la chose suivante Sont deux hommes qui se rencontrent dans une nuit assez sombre, dans un froid assez glacial. Ils se rencontrent et l'un d'eux interpelle l'autre en disant, voilà, je cherche la boutique des lampes, on m'a dit que cette boutique se trouvait dans ce quartier, mais euh, j'éprouve beaucoup de difficultés à la retrouver. L'autre lui répond, qui est un habitant du village, lui dit, si tu veux, moi je connais très bien les lieux, je peux t'y conduire. Et à sa grande surprise, l'étranger, le passager, lui répond, non, je n'ai pas besoin finalement qu'on me conduise là-bas. Les personnes qui m'ont euh, dirigé vers cette boutique des lampes m'ont tout indiqué, m'ont tout précisé sur ce papier, hein, les rues qu'il faut prendre, euh, la, la direction qu'il faut suivre, etc. Donc je n'ai pas besoin qu'on qu m'accompagne. Le résident lui dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu m'interpelles Pourquoi tu, euh, tu m'as sollicité euh, peut-être que tu éprouves finalement que le besoin de parler. Et là, le, le, le passager lui dit, lui répond, oui, en effet, j'éprouve certainement que le besoin de parler dans cette nuit assez sombre. Je cherche peut-être de la compagnie. Et euh, le résident lui dit, mais pourquoi tu cherches cette boutique des lampes Quel est ton but Quel est ton objectif dans cette recherche Il lui dit, bah, parce que je cherche des lampes, tout simplement. Qui vont me permettre de lire durant la nuit. Mais qui te dit que cette boutique vend des lampes Donc le l'étranger lui est assez surpris par cette question. Il dit pas parce que la boutique porte le nom, c'est la boutique des lampes, donc elle doit vendre des lampes. Et le résident lui dit mais c'est bien beau d'avoir une lampe pour lire. Encore faut-il savoir y lire. Puis après lui avoir fait cette remarque il insiste de nouveau pour l'accompagner, il lui dit laisse moi je connais bien ces lieux et je peux t'amener vers cette boutique mais l'autre ne veut rien savoir ne veut pas de son aide et il reprend son chemin et le conte s'arrête comme ceci et vous savez que les contes notamment dans, dans la tradition mystique et en particulier dans celle de ad-Din Rumi ont toujours plusieurs niveaux de lecture c'est que comme ça le, le support matériel du conte dans l'immédiat et souvent obscur. Et on ne comprend pas ce que veut nous dire comme ceci, Jalal Ar-Rumi. C'était une façon de s'adresser parfois à des initiés à travers un langage extrêmement symbolique. Parce que la vérité ne peut pas se révéler de manière nue, elle risque de consumer celui qui la reçoit. Donc ils avaient cette pédagogie de dire les choses de manière un peu subtile, de manière un peu symbolique, pour permettre à chaque personne de le lire à... Euh, euh, proportionnellement à ses capacités intellectuelles et spirituelles. Ça, voilà, ça, ça permettait plusieurs niveaux de signification. Et en fait, qu'est-ce qu'on comprend à travers ce conte Finalement, ce, ce conte illustre l'attitude de chacun d'entre nous, parce que chaque personne est en quête de lumière. La boutique des lampes est le symbole symbolise la lumière. Et la lumière, c'est Dieu. En fait, cette personne-là était en quête d'Allah là Et comment on le voit qu'elle était en quête de Dieu et que elle cherchait uniquement à lutter contre l'obscurité qui l'habite, c'est quand elle exprime son besoin de parler et d'avoir de la compagnie. En fait, elle interpelle la personne uniquement parce qu'elle a besoin de compagnie dans cette nuit sombre. Et que signifie ce besoin de compagnie C'est la preuve que les... cette personne était habitée par une solitude angoissante. Parce que celui qui est privé de Dieu éprouve une solitude intérieure. Qui est angoissante, qui est sombre. Donc, il a essayé de compenser ce vide intérieur, cette absence de Dieu à l'intérieur de lui, par le besoin de parler, de s'extérioriser, de, de de mettre l'accent ou de se réfugier dans la socialisation. Quand on est privé de spiritualité, quand on est privé de de, de profondeur, de lumière intérieure, eh bien, on a tendance à se fuir. Vers la, dans la vie sociale plutôt. Voilà, donc on a besoin de s'extérioriser, de parler, d'aller de, bavarder, d'aller échanger. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous angoisse et qu'on cherche à fuir. Et cet homme vivait cette situation. Et c'est la situation de, de l'être humain de manière générale. Il essaie de fuir cette solitude, cette obscurité par l'extériorisation. Et cette quête de lumière, donc il se met en quête et. Pour atteindre ce qu'il veut, il a recours à un papier sur lequel était inscrit l'ensemble des informations, des connaissances lui permettant d'atteindre cet objectif. Donc lui, il suit le papier qu'il a entre les mains et quand il a affaire à quelqu'un qui lui dit, mais moi, je connais les lieux, j'ai fait l'expérience des lieux et je saurai te guider vers ce que tu cherches, il lui dit non. Là, donc là, on a plusieurs, plusieurs choses à comprendre. La première, c'est que c'est quelqu'un qui se met en quête de vérité, de lumière, en se basant uniquement sur les connaissances théoriques qu'il a sur le papier. Donc il a une connaissance qui est purement livresque. Et c'est une façon de nous dire que celui qui se contente de la connaissance livresque, ou de l'érudition, ou de ce qu'il y a dans le papier, ne veut pas aller très loin. Même s'il se rapproche de la vérité, comme lui est parvenu quand même jusqu'au village où se trouvait cette boutique, même si tu parviens à t'approcher de la vérité, tu ne l'atteindras jamais. Pourquoi Parce que la théorie, le papier, l'érudition, la lecture ne suffit pas. Il faut faire l'épreuve d'une autre forme de connaissance pour atteindre cet objectif-là, pour atteindre cette, ce but. Parce que tu vas t'approcher de la vérité, mais à un moment donné, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. La deuxième des choses qu'il faut retenir ici, c'est que c'est quelqu'un qui euh, chemine avec des idées bien établies dans sa tête. Et il est incapable de remettre en cause ce qu'on lui a appris quand le guide lui dit ⁇ Moi, je peux te montrer la, euh, comment atteindre ce but. ⁇ Ça veut dire qu'il veut écouter plus personne. Donc c'est quelqu'un qui, qui est d'une certaine façon euh, euh, prisonnier d'un certain nombre d'idées, d'enseignements, de savoirs qui le rendent aveugle et qui alimente l'obscurité qu'il y a en lui. Et ça, c'est extrêmement important. Celui qui veut se mettre en Quête de connaissance, donc la connaissance de la vérité, de la lumière, d'Allah, parce que c'est le thème, la connaissance d'Allah. Cette connaissance suppose ou demande déjà, euh, comme je le dis souvent, une disposition. Si vous êtes habité par des idées, par des opinions, par des connaissances, ces connaissances, ces idées, ces opinions peuvent constituer les principaux voiles dans votre cheminement. Il faut commencer par déchirer ces voiles-là. Il faut être capable de suspendre ses avis, ses jugements, ses opinions quand on veut vraiment atteindre la vérité. Parce que qui dit vérité, dit sincérité. Celui qui est en quête de vérité, il est sincère. C'est-à-dire qu'il est prêt à remettre en cause ce qu'il sait pour la vérité. Mais quand on n'est pas prêt à remettre en cause ce que nous savons pour atteindre la vérité, on n'est pas sincère. En fait, on ne cherche dans notre cheminement qu'à conforter ce que nous savons déjà. Et il y a des gens quand ils étudient, quand ils apprennent, quand ils se mettent en quête, en fait, s'ils prennent le temps de scruter les, les recoins de leur cœur, ils verront que, au fond, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est conforter, asseoir les idées qui sont déjà posées dans leur dans leur tête. C'est ça. Donc, je vais ouvrir le Coran, je vais ouvrir un, un recueil de hadith, pas pour chercher la vérité, mais juste pour justifier des idées que j'ai. Donc j'ai déjà une grille de lecture, hors de question de m'en débarrasser, il faut que je la consolide. Donc celui qui est dans cette, dans cette attitude-là ne parviendra jamais à atteindre la vérité. Au contraire, il sera systématiquement dans une ignorance obscure. Et ce que nous enseigne ce conte, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir, le, le, nos livres, nos connaissances peuvent constituer un repère, je ne dis pas qu'il faut tout éclater, peut-être un repère, mais la connaissance ne doit jamais être une prison le savoir est source de libération dès que votre savoir devient une prison ça pose problème dès qu'elle vous enferme dans une cellule intellectuelle c'est problématique et donc c'est ce que nous enseigne celui qui se met en quête dans l'ment là il ne cherche pas à s'enfermer dans une doctrine dans une école dans euh, voilà dans, dans un courant peu importe Dès qu'on cherche à s'enfermer, à appartenir, parce qu'il y a des gens dans leur quête, se rendent pas compte que ce qu'ils cherchent n'est pas Dieu. Ce qu'ils cherchent, c'est une identité. En fait, ils sont en quête d'une appartenance identitaire. Ils cherchent à se construire en marquant une certaine. Donc voilà pourquoi ils vont s'attacher à, à un courant, à une tendance, à une école, parce que ils ont besoin de. Voilà, c'est un Islam identitaire. ils sont, ils sont en quête d'identité et non pas de Dieu. Parce que celui qui enquête par là, il sait que les écoles, les livres ne sont que des repères, mais jamais des prisons. Jamais des prisons. Ils sont là, sont nos repères, bien sûr. On ne dit pas qu'il faut. On s'en inspire, mais notre but, c'est la vérité. Ce n'est pas la tendance en elle-même, le courant en lui-même ou l'école en elle-même. Ça, c'est une chose qui est, qui est extrêmement importante. Et la deux, la, euh, autre chose qu'il faut mettre en évidence, c'est que lire, étudier, c'est bien. Avoir une connaissance cérébrale, c'est bien parce que le cerveau, la raison, c'est un, une faculté qui a été mise à disposition de l'être humain. Donc, c'est une faculté précieuse qui est mise à la, à la, à la, à la disposition de l'être humain pour pouvoir cheminer, pour pouvoir se repérer, pour pouvoir établir des liens, des connexions entre les choses et trouver l'unité d'Allah qui, 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 qui habite la création. Donc, ça, c'est important. Mais la raison en elle-même, ne peut pas, en fait, elle ne suffit pas pour entrer dans la vérité, pour accéder à la vérité. La raison nous rapproche de la vérité, mais ne nous permet jamais d'entrer dans la vérité ou d'être consumé par la vérité. Parce que les, vous savez, les, les maîtres spirituels distinguaient trois types de connaissances. Ils disaient il y a <coughs> il y a euh, ilmul yaqin", le, la science de la certitude. Et ça, c'est une connaissance euh, indirect de la vérité. C'est-à-dire que euh, euh, je connais les choses par oui dire, j'ai entendu parler de cette chose, je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais été touché par cette chose, mais j'en ai entendu parler, je l'ai lu dans les livres, et c'est comme ça, on appelle ça une science de la certitude. C'est le premier niveau de savoir. Ensuite on dit, l'œil de la certitude. C'est-à-dire c'est celui qui, qui a vu la connaissance, qui a vu la chose qui en est témoin. Et ensuite, la vérité de la certitude, c'est celui qui a été consumé, touché par cette connaissance. Donc il y a ceux, autrement dit, qui connaissent Allah à travers les livres, la etc. Donc on est dans l'aspect de la raison cérébrale, intellectuelle, mentale. On sait qu'Allah est unique, On connaît les 99 noms d'Allah. C'est une connaissance, on est dans l'ilm, c'est l'ilm qui nous apporte cette certitude. Ensuite, il y a « ayinu l-yaqin C'est celui qui a vu Allah SWT. Qui a témoigné d'Allah SWT. Mais une vision du cœur. C'est-à-dire qu'il a, qu il a, il a pu faire l'expérience de Dieu à travers la vision du cœur, à travers l'intellect. Et ensuite, il y a « haqq l-yaqin c'est celui qui a été consumé par Allah SWT. Ça veut dire que maintenant son être a été abandonné à Dieu et il ne voit il ne perçoit qu'à travers la lumière d'Allah SWT. Comme le dit le hadith Qudsi, « Les serviteurs ne cessent de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce qu'ils deviennent l'œil par lequel je vois, etc. » Ça c'est un hadith authentique qui existe dans la tradition islamique. Donc c'est trois niveaux, trois degrés de connaissance d'Allah SWT. La plupart du temps, ceux qui sont en quête de vérité s'arrêtent au premier degré de connaissance. Une connaissance qui est purement livresque. On sait que, ceci, cela. Et puis, et des fois, on, son, on tombe dans le piège du bavardage théologique. C'est-à-dire que des fois, on en fait trop dans notre démarche intellectuelle de la connaissance, dans notre, dans notre démarche rationnelle plutôt, de la connaissance dans voilà, tawhid, Après, on va, on va diviser le tawhid en trois parties les noms et l'asma, l'sifat. Toutes ces choses-là, donc le dogme qui devient très, euh, euh, à un moment donné, très bavard. Et on finit par se perdre dans des choses qui nous dépassent. Et on oublie qu'à un moment donné, l'idée, le but, c'est de faire l'expérience d'Allah par le cœur. Et ensuite d'être consumé par cette lumière d'Allah. D'être consumé par. Euh, par cette lumière d'Allah. Et le Prophète alayhi wa sallam, a toujours inculqué ou euh, éduqué ses compagnons à dépasser le cadre mental dans notre approche de la vérité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il. Euh, certes, le Prophète nous demande, nous exhorte à étudier, à approfondir la connaissance, à, euh, à acquérir le savoir, mais ne se contentez pas de ceci dans, dans l'éducation des compagnons. Parce qu'avec cela, il les poussait à pratiquer le dhikr, à se lever la nuit pour prier, à jeûner parce que ce sont ces pratiques-là qui nous permettent d'accéder aux autres niveaux de connaissance. Les livres, le savoir nous permettent la connaissance mentale qui est un premier support, un premier niveau. Le dhikr, la prière de la nuit, la lecture du Coran, le jeûne nous permettent d'atteindre les deux autres niveaux. Les deux autres niveaux. C'est que là on, on crée un lien, une liaison, une connexion entre le mental et le cœur. Celui qui s'arrête au mental verra toujours les choses de manière assez froide. Il faut tout de suite créer ce lien, ce chemin, cette voie qui passe de la tête au cœur. Et là, on verra les choses avec beaucoup plus de chaleur et beaucoup plus de lumière. Et ça, c'est possible qu'à travers ce que... Je vous disais à travers le zik, la prière de la nuit. C'est pourquoi écoutez bien le prophète sallam, lorsque vous étudiez sa biographie, il y a deux temps. Il y a un premier temps au début de la révélation où il est interpellé par la parole Ekhra, donc une invitation à la connaissance, à, au savoir, à l'approfondissement, etc., etc. Donc Ekhra, il y a un réveil ici mental, mais les prochaines révélations, Dieu dit, l'interpelle, en lui disant Ya ayyuhal muzamil, komil layla illa qalila, nisfahu awin kusmin hu qalila, alayhi waratil al-Quran atartil. Là, il invite Ô toi qui t'enveloppe, qui te recouvre de, de ton drap, lève-toi et prie la nuit. Ça veut dire, regardez bien, ikra, mais ikra ne suffit pas. Prie la nuit, approfondis. Parce qu'en fait, ton mental, s'il n'est pas éclairé par le cœur, par la lumière du cœur, eh bien, risque d'être de, 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 très vite confronté à des impasses ou à des limites comme on l'a vu dans le conte. L'autre, qui, qui, le, le, ce, cet homme qui cherchait la boutique des lampes dans le conte, eh bien, il est très vite confronté à ses limites parce que toute sa quête repose sur un, un savoir purement théorique, un savoir purement mental. Alors que l'habitant... Celui qui connaît les lieux symbolise l'homme qui a fait l'expérience de la proximité d'Allah. C'est un guide spirituel. C'est un guide qui est capable parce que il, a fait le, il, a, il a fait le voyage. Il en connaît les étapes, les épreuves. Et il a goûté à la vérité. Voilà pourquoi dans la tradition mystique, la notion de connaissance est synonyme de goût. Dhawq. Connaître, c'est goûter. Connaître, c'est goûter. Connaître, c'est réaliser. Ça veut dire que la connaissance, elle a tout de suite une dimension pratique. Connaître le nom d'Allah, Al-Haqq euh, euh, ou rahman c'est tout de suite réaliser dans son comportement la Rahma ou la vérité. Al-Haqq suppose al La réalité suppose la réalisation. Connaître la vérité, c'est la réaliser, c'est faire en sorte que Dieu, la lumière de Dieu, la vérité ait un impact et un effet sur notre attitude. Ça ne doit pas rester une simple connaissance théorique stockée dans l'univers mental. C'est ça la connaissance d'Allah. J'aurais pu vous faire ici un cours sur le tawhid, un cours théologique, ce que dit Ibn ce que dit Ibn al-Qayyim, ce que dit Abu Hamd ghazali très théorique. Mais ce n'est pas ça en fait finalement. Ça, c'est une première étape, mais on ne peut pas se contenter de ceci. Voilà pourquoi Allah, après lui avoir dit Iqra, où il interpelle sa tête, ensuite il lui dit Qum illayla illa qalila. Maintenant, lis et approfondis. Parce que la véritable connaissance, ça va venir de l'intérieur. La connaissance véritable, en fait, la connaissance d'Allah qui est unique, suppose la disposition de l'intégralité de votre être. Ça veut dire que c'est le, le, dans l'unité de votre être que vous allez accéder à l'unicité de l'être suprême. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser votre être dans son unité, pas que le cerveau. Si vous ne mobilisez que le cerveau, vous allez avoir une vision fragmentée de la réalité. Vous allez voir qu'une partie de la réalité. Par contre, si vous mobilisez votre être dans son intégralité, le cerveau, le cœur, le corps, vous allez voir la, la, la réalité dans sa globalité, dans son harmonie. Et c'est comme ça qu'on voit l'unité. C'est comme ceci qu'on voit la lumière d'Allah dans la création parce que toute la création ne serait qu'obscurité sans la lumière d'Allah. C'est être capable d'arriver à un stade où vous voyez ce fil lumineux qui tisse toute la création. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi quand Allah parle de lumière dans le Coran, la, la, la notion de lumière ou la manière dont elle est évoquée dans le Coran est très subtile. Allah dit dans le Yunus, « dhiya'an »« wal qamara'nouran » Regardez bien. Dans notre verset, Allah dit « Allahu nou'rus samawati wal ard » Regardez bien. Allah dit dans, dans son de C'est lui qui a créé le soleil dhiya'an »« dhiya' » C'est quoi ?« daw'a » Et « nour » Quelle est la différence entre « nour » Il y a une différence. Allah emploie deux termes pour, dés, pour dés, dés, désigner euh, euh, deux choses différentes. Pour le soleil, pour la, pour la lune. C'est subtil, c'est extrêmement subtil. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une lumière projetée sur un corps dont la source est à l'extérieur. Ça veut dire que c'est une lumière qui ne fait que refléter une source. Daw', c'est une lumière qui est inhérente à la source, qui provient de la source même. C'est pas un reflet. D'accord? Voilà pourquoi on dit nur pour la Lune, parce que la Lune, en fait, la lumière ne lui est pas inhérente, elle reflète celle du Soleil. Alors que dhiya » ou pour le Soleil, c'est le rayon vient du Soleil lui-même. C'est pourquoi quand Allah dit Allahu nuru samawati wal il a employé le terme de nur, non pas de d'aw'. Pourquoi? Parce que la, la création est une lumière, mais la lumière n'est pas inhérente à la création, elle n'est que le reflet de la lumière d'Allah. Parce que s'il avait employé le terme de da'wah pour la création, ça supposerait que la lumière est inhérente à la création, ça veut dire qu'il existe une autre lumière en dehors d'Allah. La lumière qui dans la création n'est que le reflet de la lumière d'Allah. Ce qui veut dire que celui qui se met en quête de vérité, il doit comprendre que la création, à un moment donné, n'est qu'un support qui nous renvoie à quelque chose de supérieur. Sauf qu'avec la mentalité scientiste, moderniste, on a cru que la lumière était à l'intérieur de la création. C'est pourquoi on va commencer à étudier les phénomènes uniquement dans leur aspect matériel. À essayer de comprendre les différentes lois qui régissent la matière. Le système de cause à effet sur lequel repose la matière. Les électrons, les protons, les ceci. On pense que, voilà, tout s'explique comme ça, de manière horizontale. Et on croit que tout vient de l'intérieur. Tout s'explique à l'intérieur de la matière. Et ça, on finit par se perdre dans la matière. Et la matière finit par disperser l'individu. Mais la véritable connaissance, elle est illuminative et unitive. C'est qu'à un moment donné, on comprend que, en fait, cette lumière qu'on voit dans la matière n'est que le reflet de quelque chose de supérieur, que la cause est ailleurs. Et c'est ça, en fait, c'est que la matière est censée nous renvoyer à la cause, à Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Quand Allah nous demande de méditer, la création, c'est parce que la création est le premier... Support et le support essentiel euh, qui nous permet, qui nous renvoie à la source, qui nous renvoie à Allah. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Alors, le, le Prophète, vous allez le remarquer, avant de recevoir la révélation, il a été initié, il a été préparé à recevoir la révélation. Pendant 40 ans, il a été éduqué à recevoir la révélation d'Allah. Parmi son éducation, dans son éducation, il y a toute sa vie professionnelle qu'il ne faut pas négliger. Chaque moment de sa vie est, est un moment éducatif. Il est en train d'être éduqué par Allah S'il a été berger, ce n'est pas pour rien. C'est qu'Allah le préparait, est en train de disposer son cœur, est en train d'ouvrir son cœur à la grâce d'Allah SWT en le mettant en contact de la création, de la nature. Déjà, il est en... Vous savez, quand vous êtes berger, vous êtes dans la campagne, dans la nature, vous êtes coupé du monde, vous, êtes... vous êtes délivré un peu de la pression sociale, et c'est une occasion pour l'homme d'ouvrir son intelligence à la méditation. Donc il est là, et quand vous êtes dans la nature, dans les montagnes, vous avez le ciel bien ouvert, vous méditez, vous contemplez. Donc Allah, à travers ce métier, à travers ce travail, est en train de le préparer spirituellement à entrer en dialogue avec Dieu, eh bien à travers la création. Regarde, dans la création, il y a une lumière. Tout doucement, il y a une lumière. Tu verras que si tu vas jusqu'au bout de cette lumière, elle va t'amener à la source. Parce que cette lumière n'est qu'un reflet. N'est qu'un reflet. Elle va t'amener à la source. Tu le, le, le dicton... Euh, euh, sino, euh, chinois je pense, hein, euh, c'est un dicton asiatique qui nous dit très connu, très célèbre, quand vous montrez à l'idiot la lune, lui il regarde le doigt. Eh bien je vous assure ça y est, elle est ce dicton est très profond, parce que c'est l'attitude de beaucoup d'êtres humains qui sont affectés par la mentalité matérialiste. Ils regardent la matière, ils comprennent pas que la matière est censée nous renvoyer vers Allah, vers la véritable lumière. Non, lui, il se perd dans la matière, il regarde le doigt. Mais ben ça, des fois, c'est l'attitude de, de l'être humain dans son rapport à l'univers, dans son rapport à la création, ou dans son rapport à la, à la matière. Donc, le prophète lui-même était éduqué déjà entré en contact avec la matière pour qu'il commence à y déceler la lumière d'Allah avant de recevoir la révélation Iqra. Et puis, même quand il a reçu la révélation Iqra, Allah ne l'a pas tout de suite chargé de sa mission d'avertir les hommes, les hommes. Non! Avant d'avertir, tu as encore besoin d'approfondir ta spiritualité. Voilà pourquoi il va lui dire Prie la nuit. Il lui a dit il la illa avant de lui dire Lève-toi et avertis les gens et proclame la grandeur d'Allah. Avant de lui demander de l'obliger à proclamer la grandeur d'Allah publiquement, pendant quelques années, il va le pousser à approfondir sa spiritualité. Faut d'abord que tu sois illuminé intégralement par la lumière dans ce par là pour pouvoir être un repère et un guide pour les gens. Si tu es habité par l'obscurité, comment tu vas servir de repère aux gens dans la nuit Dans le désert de la nuit, les gens se repèrent grâce à la lumière des étoiles et de la lune. Si tu veux être telle ces étoiles ou telle cette lune dans l'obscurité de la vie de l'homme, il faut commencer par être touché par la lumière dans ce par là. Être devant Dieu comme la lune se tient devant le soleil. Être son reflet. Mais pour cela, il faut avoir le cœur tourné vers Allah. Si vous voulez que notre cœur, si vous que notre cœur soit le reflet de sa lumière, il faut que le cœur soit tourné vers Allah. Parce que quand le cœur n'est pas tourné vers Allah et qu'il est tourné vers la vie, eh bien, la vie va s'accaparer ce cœur, va l'étouffer dans la matière et il va finir par, par perdre tout signe de vie spirituelle. Il va cesser de battre spirituellement. Il va être étouffé. Le cœur va être étouffé par les multiples occupations de ce bas-monde. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser le cœur entre les mains de ce bas-monde. Parce que la, le, la, <coughs> la vie de ce bas-monde, ah, elle a des mains tentac tentaculaires. Ça. Elle vous prend partout. Alors qu'Allah a qu'une main. Il est unique. Laissons ce cœur entre la main d'Allah S.W.T. plutôt que entre toutes ces mains du monde visible, toutes ces mains de la matière qui risquent de, de déchirer ce cœur, de déchirer ce cœur, de le fragmenter, de l'atomiser. D'ailleurs, celui qui se met en quête, celui qui a besoin de se mettre en quête, c'est parce qu'à un moment donné, il a ressenti cette douleur intérieure du fait de la fragmentation de son cœur. Son cœur s'est dispersé, s'est atomisé, s'est déchiré. Parce que la vie, elle est multiple, elle le sollicite de toutes les de, de différentes façons. Donc le cœur se déchire. Celui qui se met en quête de vérité, c'est celui qui cherche à recollectionner son cœur. À ce qu'il retrouve son unité première, son, son unité primordiale. Et ça, c'est l'unité, ne s'acquiert. L'unité du cœur ne s'acquiert qu'au prix de la proximité de l'unique. Ce n'est que dans l'unicité d'Allah qu'on retrouve notre unité intérieure. Dans la connaissance d'Allah. Parce que la connaissance d'Allah, elle est unitive. Elle unit. Parce qu'il est un. Elle nous rassemble. Elle crée de l'harmonie. Et en créant cette harmonie, chose qui est très importante, c'est qu'elle nous évite d'être multiples dans la vie. Vous savez, on peut mesurer notre degré de spiritualité en fonction de, du nombre de masques que nous empruntons, que nous empruntons dans la vie. Et ouais. Beaucoup de, personnes, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils ne font dans la vie qu'interpréter des rôles sociaux. Dans mon métier, je joue un rôle, j'intègre une personne, donc je vois là, je dois. Une, je, dois, je dois, comment dire, adopter une certaine attitude. Dans ma vie familiale, je suis plutôt comme ça. Dans ma vie avec euh, mon, mes amis, je suis plutôt comme ça. Quand vous, vous, avez, quand vous devez à chaque fois emprunter des masques, c'est qu'on qu manque d'unité, d'authenticité, de profondeur. Parce que celui qui est privé de profondeur intérieure, eh bien, il mise sur euh, les masques. De, de l'apparence. Il reste à la surface et il est là à emprunter des masques. Alors que quand on se rapproche d'Allah, on n'est plus là à jouer des rôles sociaux, on n'est plus là à essayer d'adopter des attitudes conformes aux conventions sociales, on vit de manière profonde et transparente. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, au travail, avec mes amis, je suis le même, on ne voit pas de différence. Il est pareil, il est comme ça. Il... Pourquoi Parce qu'il vit, il, il reflète l'unité d'Allah. Quand on ne reflète pas l'unité dans leur là, on est multiple. Et c'est cette multiplicité qui ronge la personne, qui détruit les personnes. Parce que c'est fatigant de devoir à chaque fois changer de rôle. C'est extrêmement fatigant de... Bon, quand je suis au travail, je dois, empl... je dois emprunter ce match, je dois avoir cette attitude, etc. Puis une fois que vous... C'est fatigant. Vous savez, la mise en scène, elle est fatigante. Ceux qui ont fait du théâtre peuvent vous le dire. Monter sur scène, jouer un personnage, c'est extrêmement fatigant. Alors sur la scène sociale, c'est encore beaucoup plus exténuant de devoir jouer un rôle. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes. Ils vivent. Un, il y en a, ils sont. Ils frôlent la schizophrénie. Frôlent la schizophrénie. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les personnages ou pour les personnalités publiques. Déjà, déjà, le terme personnalité, dans le sens étymologique, ce que ça veut dire, c'est-à-dire, c'est celui qui porte un masque à une personnalité, Alors, elle porte un masque sur la scène publique. Eh bien, quand tu arrives sur un podium, il y a 1000, 2000, 3000 personnes, des projecteurs sur toi, ton visage apparaît sur tous les écrans qu'il y a derrière, toi, tu adoptes une attitude. Mais une fois que tu rentres chez toi, et que tout, il n'y a plus ces projecteurs, qu'il n'y a plus ces personnes, et que tu te regardes dans le miroir, et que là, la chute, elle est vertigineuse. Elle est vertigineuse pour qui Pour celui qui n'était pas authentique. Entre ce qu'il a montré devant les caméras, et comment elle est chez lui. Et ces gens-là finissent à un moment donné, à un moment ou à un autre, par être dévorés, par être rongés, par être rattrapés par leur propre réalité. Et c'est pourquoi là, c'est ça le, le véritable sens de la sincérité. La sincérité n'a pas qu'un sens moral, être sincère. Non, la sincérité, c'est l'authenticité, être un. Là où je suis, je, je suis une personne. Voilà pourquoi, en fait, la piété, celui, vous allez voir, hein, plus on se rapproche d'Allah, plus on devient simple, très simple. Et je vous assure que plus vous êtes loin d'Allah, plus on a tendance à adopter des attitudes, des masques, voire à frôler l'hypocrisie. On finit par tromper, par duper les gens. Et ça, Blaise Pascal a très bien montré dans son livre « Les pensées » où il distingue ce qu'on appelle la grimace de, de, de la sincérité. Lui, la grimace chez lui, qu'est-ce qu'il entend par là Il dit vous savez, il est en train de, euh, de méditer le comportement de certains princes de l'époque, de certains érudits, et puis il a regardé, il dit voilà, ces gens-là ont besoin pour exister, pour avoir de la reconnaissance, d'avoir recours à la grimace. C'est quoi la grimace chez lui La grimace, c'est toute, euh, toute la comédie de l'extérieur. Ça veut dire il faut mettre la tenue, l espèce de chapeau, l'attitude, toute la mise en scène. Tout ça. Et a voilà, ces gens-là, il dit après quand ils rentrent chez eux, et ils se regardent dans le miroir, ils savent vraiment ce qu'ils sont. Rien. En fait, ils n'existent qu'à travers les gens qui les vénèrent. Et ce sont les gens qui fabriquent des personnes comme ça. C'est le public qui fabrique la starification. C'est le public qui le fabrique. C'est des gens, voilà, ils ont besoin de, 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 de toute une extravagance extérieure pour exister. Pour avoir un peu de reconnaissance, pour jouir d'un certain pouvoir. Quand tu es faible, quand tu es creux à l'intérieur, ben tu mises sur les éléments extérieurs pour manipuler les consciences. Tu es là, la mise en scène. Du théâtre, il y en a, tu c'est du théâtre. Tu creuses un peu, il n'y a rien. Comme on dit, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Parce que les vraies personnes, Wallah, tu les entends, ils sont discrets. Et ils sont avec vous très simples. La preuve c'est le prophète sallallahu Le plus proche d'Allah c'est le prophète et pourtant c'était le plus simple. Quelqu'un très simple. Les gens ne parvenaient, les gens qui ne l'avaient jamais vu physiquement, ne parvenaient pas à le distinguer des autres. Ne parvenaient pas à le distinguer. Quand ils arrivaient pour le rencontrer, il était assis parmi les compagnons. Qui est le prophète Il ne cherchait pas à se démarquer par son attitude extérieure. Quand on est habité par notre ego et loin d'Allah, on veut toujours se démarquer par l'extérieur. On veut toujours marquer une, euh, voilà, sa distance. Moi, je ne suis pas comme ceux qui sont en train de me suivre. Donc il va, il va essayer de se travestir, c'est le mot, d'indices extérieurs pour se démarquer des autres. Moi, je suis au-dessus. Ce n'a jamais été l'attitude du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, qui se fondait dans la masse. Était, il était effervescent, hein, tu ne le, tu le voyais pas. Très simple, et pourtant, il est très, très profond. Très, très, c'est ça, le la connaissance d'Allah nous unifie et elle nous éloigne de la duplicité, de la multiplicité, de l'hypocrisie. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que savoir ceci, ça permet d'avoir un minimum de lucidité spirituelle et intellectuelle. Ça permet d'avoir de, de la lucidité, ça permet de, voilà, de cheminer, certes avec le cœur, mais sans jamais sacrifier la raison. Sans jamais sacrifier la raison. Parce qu'il y, y a deux excès. C'est Blaise Pascal aussi qui le dit. Savez, Blaise Pascal, c'est un philosophe chrétien contemporain de Descartes. C'est un peu le. On va dire le. Euh, le, le contre, il fait le contrepoids de Descartes. Descartes, qui était le philosophe rationaliste. D'accord Blaise Pascal, c'est était, était un chrétien, un philosophe chrétien, scientifique. Hein. Il a fait des découvertes en physique, en mathématiques. Et pourtant, il était très spirituel, très mystique. Et il disait une chose, notamment en visant Descartes. Il dit, il y a deux excès. N'admettre que la raison, exclure la raison. Il y a, il y a les rationalistes qui n'admettent dans leur approche de la réalité, de la vérité, que la raison. Et c'est pourquoi ils finissent par se perdre, à, à être confrontés à des impasses. Il y a ceux qui excluent la raison sous prétexte d'une connaissance purement intérieure. Non, moi, c'est Allah intérieur. Non. Allah est c'est pas, Il n'est pas là pour, pour, pour faire du décor à l'intérieur de toi. Non, Allah, justement, la connaissance, elle passe, c'est un instrument qu'il faut employer. Ce qui est dit, c'est ne pas réduire toi la raison. Mais c'est un instrument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pose des questions, je réfléchis et je ne me mets pas très facilement sous la tutelle intellectuelle de quelqu'un et souvent quand on se met sous la tutelle de quelqu'un c'est quand on est euh, faible d'esprit on a besoin de voilà de penser par procuration de penser par procuration connaître la vérité suppose certes des connaissances des repères un maître un guide mais les deux de façon complémentaire des connaissances intellectuelles rationnelles parce qu'il faut la raison un maître Authentique, sincère, qui va m'aider et qui va m'aider non seulement à me délivrer de moi-même, mais aussi à ne plus dépendre du maître. Parce que le véritable maître, c'est celui qui vous offre votre indépendance. Par contre, le maître qui crée de l'indépendance n'est pas un maître, c'est un charlatan qui vous pousse à penser à travers lui. C'est un charlatan. C'est le mot vraiment propre. Et euh, le prophète n'a jamais, jamais, au contraire, jamais poussé ses compagnons à le suivre aveuglément. D'ailleurs, il lui est arrivé au prophète. C'est pourquoi il faut toujours... Notre premier repère, c'est le prophète. Alayhi wa sallam. On revient au prophète, c'est lui qui nous, qui, nous, euh, euh, qui nous éclaire dans l'obscurité de la vie. Il lui est arrivé au prophète d'abandonner son avis pour prendre celui d'un compagnon du prophète. Pourquoi? Comment on en arrive à cette attitude C'est quand euh, on n'est plus habité par notre ego. Quand c'est la lumière d'Allah qui nous guide. Et la lumière d'Allah nous rend humble, nous rend simple. Celui qui n'a pas la lumière d'Allah, il peut avoir un très beau discours sur l'islam, sur la mystique, sur les belles choses, sur la poésie. Il peut avoir de belles choses. Ça, il peut avoir un discours très mielleux. Mais tout ça au service de son ego. Pour alimenter, voilà. Pour... Euh, et le Prophète, regardez bien la bataille de Badr. Vous connaissez la bataille de Badr, très connue. Quand il adopte une position stratégique pour faire face à l'armée euh, Quraysh, tu as un compagnon, Ibn al-Mundir, qui lui dit Rasulullah, ta stratégie là, le, le, la vie que tu nous proposes, que tu nous soumets, est-ce ton opinion personnelle ou est-ce une inspiration divine Auquel cas, on obéit. Si ça vient d'Allah, on obéit, on ne discute pas, on ne discute pas la parole d'Allah. Mais si c'est ton opinion personnelle à toi et à Muhammad, alors on a le droit de le discuter, moi j'ai un autre avis à te proposer. Vous imaginez C'est-à-dire, si un compagnon est capable de dire ça au Prophète, c'est qu'ils étaient éduqués à l'esprit critique. Mais il y a esprit critique, et esprit critique, on va y reviendra. Il y a deux, deux, deux choses à. Il y a une petite nuance. Donc là, c'est ton opinion, le Pran c'est mon opinion personnelle. Alors, il y là. moi je te propose. De nous établir devant les puits de Badr et non, pas, et non pas derrière. Pour telle et telle raison. Vous connaissez les détails de l'histoire. Elle prend cela, à a accepté son avis. Très bien. bien, c'est ça, le quelqu'un qui est proche d'Allah, il a l'intelligence ouverte à, à toutes les possibilités. Il ne s'enferme pas dans son avis, dans son ego. Au contraire, il est tellement habité par la lumière d'Allah qu'il voit la lumière de Dieu partout. Mais celui qui ne voit les choses qu'à travers son ego n'ira que vers les choses qui servent son ego. Et le prophète était comme ça à la bataille de à la bataille de à Razot al Khandaq, la bataille de Kualizé, quand il adopte la, la, la position de Salman el farisi ici, le Perse, qui lui propose un avis qui, qui était inexistant chez les Arabes, qui était de culture perse. Et le prophète sallallahu aurait, aurait pu dire, non ça, ça vient de chez les pères, ça c'est des, des des associateurs, ils adorent le feu, on ne prend rien d'eux. Il aurait pu dire ça le prophète sallallahu Non il Non, c'est un très bel avis. Et grâce à cet avis, et à cette ouverture du prophète sallallahu ils ont pu vaincre et dominer une armée de dix mille soldats. C'était énorme. Donc vous voyez que le prophète sallallahu était tout sauf quelqu'un qui servait son ego et ça c'est la preuve qu'il était extrêmement proche dans il était extrêmement proche du dans et c'est voilà c'est sur ces pas que nous devons avancer notamment en ce mois béni du ramadan qui est en fait le mois du ramadan c'est c'est ce vous savez je vous parle de la bataille de quolise Salman al falisi qu'est-ce qu'il a proposé Salman al falisi il a, il, a, il, a, il, a, il a dit voilà il y a dix mille soldats qui arrivent on n'a pas les moyens matériels de faire face à 10 000 soldats. Si on, si on les combat, on va être anéanti. Donc il y a une solution. C'est de gagner du temps en tenant l'ennemi à distance. Ça veut dire qu'on va creuser un fossé assez long, assez large, assez profond pour qu'il les tenir à distance. On va creuser ce fossé. Et bien le mois du ramadan, c'est un peu ce fossé que nous creusons pour tenir à distance tous ces ennemis intimes tous ces ennemis extérieurs qui cherchent à nous à s'accaparer notre cœur la mode la consommation l'argent la dounia tout ça ce sont des ennemis symboliques que nous devons tenir à distance en creusant un fossé et le mois du Ramadan est ce fossé que nous tentons de creuser pour préserver pour protéger notre espace, notre citadelle intérieure, et revenir et nous réconcilier avec l'exemplarité du Prophète. D'ailleurs, c'est dans, dans la surat qui traite de, ce, de cet épisode de la, de la bataille du fossé. C'est dans cette surat-là qu'on trouve le verset Vous avez dans l'envoyé de Dieu un exemple parfait pour celui qui cherche à s'élever vers Allah subhanahu pour celui qui cherche à s'élever vers leur pain. Revenir à l'exemplarité du prophète. Alayhi wa sallam. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans passer par le chemin du prophète. Alayhi wa sallam. Se réconcilier avec la biographie du prophète. Alayhi wa sallam. Et vous allez voir que, en suivant ses pas, vous allez vous rapprocher de Dieu. En vous rapprochant de Dieu, vous allez devenir très simple dans la vie. Vous allez retrouver une unité perdue, une harmonie perdue. Et voilà, quand on est, quand on est, quand on est comme ceci, la piété, on ne l'interprète plus, on la vit. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui interprètent la piété dans la comédie sociale et à ceux qui vivent la piété. Qui la vivent. Celui qui vit la piété, comment vous le voyez Il est très naturel, il apparaît avec ses qualités et ses défauts. Voilà. Pourquoi Parce qu'il sait que. Les comptes qu'il doit rendre, c'est à Allah Mes défauts, tu les as vus, mais n'est pas toi qui vas me juger, je m'en fiche. Il est, voilà, il est comme il est. Et ça, c'est important. Pour quelle raison Parce que ça permet aussi de rassurer les gens, dire qu'on peut être proche de Dieu en restant humain. Les gens pensent que être, être proche du divin, c'est à un moment donné, cesser d'être humain. Non, jamais la proximité d'Allah se fait au détriment de notre humanité. C'est en épousant pleinement notre humanité que nous accédons à la proximité d'Allah. C'est en épousant pleinement notre humanité. C'est pas au détriment de notre humanité. Jamais. Parce que sinon, c'est avoir la prétention à un moment donné de devenir Dieu. Non, on reste humain. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Et ça, les... Pourquoi je dis ceci Parce qu'il y a beaucoup de frustrations qui proviennent d'où Elles proviennent de ce que, de l'image que certains renvoient, notamment, euh, voilà, je, 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 je suis en train de faire une autocritique, euh, notamment les, les prédicateurs, les, etc. Parfois, ils, euh, ils donnent une image d'eux, qui fait que la personne, quand elle les observe, se dit ouais, « mais pour devenir comme ça, c'est difficile !» Puis finalement, elles n'arrivent jamais à atteindre cet idéal et ça crée des frustrations. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en fait, ça, c'était qu'une qu'une qu image en fait, qu'une mise en scène. Mais si le prédicateur, l'imam, le théologien restait humain et montrait qu'en fait, on peut, voilà, on chemine en étant humain, eh bien, ça faciliterait la tâche, ça rassurerait les gens et ça dépouillerait le croyant du sentiment de culpabilité. Parce que la chose qui ronge le croyant, celui qui porte la foi, celui qui veut cheminer vers Allah, c'est la culpabilité. On est responsable, mais jamais coupable de nos actes. On est responsable, c'est-à-dire qu'on doit assumer nos l'enquête, mais il faut pas alimenter cette culpabilité. Parce que le professeur a bien dit que l'être humain est pécheur, mais que le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Et que si Allah nous reproche une chose, ce n'est pas d'avoir péché ou d'avoir chuté, c'est de n'avoir pas pris le soin ou le temps de nous relever, de demander pardon à Allah. C'est cette attitude-là qui sera reprochée. Ce n'est pas la faute, c'est ce qui suit la faute. Elle a la nuance, la différence, elle est de taille. Donc, aller vers la connaissance d'Allah, connaître Allah, ne fera pas de nous des anges. Dans, le, dans notre quête de la vérité, il faut admettre, il faut reconnaître des moments de faiblesse. C'est-à-dire, dans notre chemin, dans notre voyage, il y aura des moments de faiblesse, de chute, d'obstacles. Tu vas avancer pendant. Tu vas sentir dans ton cheminement spirituel, mais tu avances très 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 bien, et puis d'un coup, tu sens que tu ralentis, tu sens que tu stagnes, tu n'avances plus. Ça fait partie du voyage. Mais l'essentiel, le, c'est d'être en voyage. Et que même si tu n'as pas Dieu ou la vérité dans sa profondeur, dans son intensité, le but, c'est que tu sois en voyage. Si tu meurs sans avoir atteint cette proximité d'Allah Ta'ala, tu meurs martyr dans le voyage. Tu meurs en voyage. Ça, le, 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 quand on parle de martyr, les gens pensent que martyr, il faut aller ob obligatoirement en Syrie ou à Gaza pour mourir martyr. Non, celui qui se met en quête de vérité, qui se met en voyage, donc qui va en jihad contre son égo, quand il va en jihad, dans une lutte, et qui dit combat ben, Des fois, c'est comme ça. Non. Vous avez déjà vu quelqu'un qui revient intact d'un combat Non, non, toi, tu n'as pas été au combat. Toi, tu étais caché derrière un arbre, C'est pas possible. Quelqu'un qui revient d'un combat avec des blessures, des grosses blessures, on va pas lui reprocher, on va lui dire, ah bon, Tu as été blessé, mais t'es pas un bon combattant. Non, au contraire, c'est le signe ou la preuve de son combat. Ces blessures sont la preuve de son combat. Et nos blessures spirituelles, quand nous sommes en quête, vous savez, nos péchés sont des blessures. Notre immoralité parfois est une blessure, mais ce sont des blessures qui prouvent que nous étions en quête. Parce que la blessure ne la ressent que celui qui combat. C'est là où il y a des... Donc on va être blessé, on va... mais le but c'est d'être en voyage, d'être en chemin, d'être en combat. Qu'on parvienne à vaincre ou pas, c'est l'intention, comme vous le savez, qui compte.